Jésus est en vie. Le livre des Proverbes chapitre 5. Mon fils, sois attentif à ma sagesse, prête l'oreille à mon intelligence. Afin que tu conserves la réflexion, et que tes lèvres gardent la connaissance. Car les lèvres de l'étrangère distillent le miel, et son palais est plus doux que l'huile. Mais à la fin elle est amère comme l'absinthe, aiguë comme un glaive à deux tranchants. Ses pieds descendent vers la mort, ses pas atteignent le séjour des morts. Afin de ne pas considérer le chemin de la vie, elle est errante dans ses voies, elle ne sait où elle va. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi, et ne vous écartez pas des paroles de ma bouche. Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle, et ne t'approche pas de la porte de sa maison. De peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres et tes années à un homme cruel. De peur que des étrangers ne se rassasient de ton bien, et du produit de ton travail dans la maison d'autrui. De peur que tu ne gémisses près de ta faim quand ta chair et ton corps se consumeront. Et que tu ne dis: comment donc ai-je pu haïr la correction, et comment mon cœur a-t-il dédaigné la réprimande? Comment ai-je pu ne pas écouter la voix de mes maîtres, ne pas prêter l'oreille à ceux qui m'instruisaient? Peu s'en est fallu que je n'ai éprouvé tous les malheurs au milieu du peuple et de l'assemblée. Vois les eaux de ta citerne, les eaux qui sortent de ton puits. Tes sources doivent-elles se répandre dehors? Tes ruisseaux doivent-ils couler sur les places publiques? Qu'ils soient pour toi seul et non pour des étrangers avec toi. Que ta source soit bénie, et fais ta joie de la femme de ta jeunesse. Biche des amours, gazelle pleine de grâce, sois en tout temps enivré de ses charmes, sans cesse épris de son amour. Et pourquoi, mon fils, serais-tu épris d'une étrangère, et embrasserais-tu le sein d'une inconnue? Car les voies de l'homme sont devant les yeux de l'Éternel, qui observe tous ses sentiers. Le méchant est pris dans ses propres iniquités, il est saisi par les liens de son péché. Il mourra faute d'instruction, il chancellera par l'excès de sa folie.